Bonjour, rock'n'roll, rockabilly, moto et voitures américaines. La commune de Villepot accueillait fin mai les 20 ans du Crackers Club, association de mordus, de véhicules, de collection et de musique américaine. Les Crackers, c'était une bande de copains, une bande de potes. Ça a commencé en 90 parce qu'on allait à gauche, à droite, puis il n'y avait jamais ce qu'on voulait. Il n'y avait jamais assez de musique, niveau rock'n'roll, niveau musique. Et puis il n'y avait jamais assez de voitures non plus. Donc avec deux, trois bons copains, c'était Franck, c'était deux gars qui s'appelaient Stéphane, et puis Delphine, petite Delphine. On a monté un petit truc, un petit rancard, une petite expo, puis un concert en même temps. À l'époque, début 90, il n'y avait plus grand-chose en Bretagne, ça nous manquait. Alors on a décidé de monter un petit truc à nous, et puis ça a démarré comme ça, gentiment, puis on était vite débordés. On avait fait beaucoup de concerts, beaucoup d'expos, on n'était pas satisfait de ce qu'on voyait. Donc nous, on a voulu mixer les trois, c'est-à-dire les bécanes, les Harley, les BSA, les Triumph, les Norton, les Harley, tout ça. Les voitures, tout ce qui était vieilles voitures, américaines, européennes, et puis la musique en même temps. Et tout ça s'est rendu distant. On a mixé tout ça entre nous, et on a fait un gros week-end. Et la première année, on dit « Oh, ça marche bien !» On a fait une deuxième, une troisième, etc. Puis ça a continué. Puis là, on est rendu à 20 piges, et ça dure encore. Eh bien, un 20e anniversaire, c'est beaucoup de boulot, parce que il faut tout organiser pour faire plaisir à tout le monde. Donc, beaucoup de boulot, ça s'organise 6 mois à l'avance. Il y a un sacré parc de véhicules, là je pense qu'on doit être à 200 véhicules. Mais le public fait le reste, de toute façon. Voilà. C'est branché qui compte. 6 concerts étaient programmés pour ce 20e anniversaire, plus de 200 véhicules de collection à admirer. Et une nouveauté cette année, un camp militaire et pompier.